Là, tournez. On apprend. Je pense. Là, tournez bien même. T'as vu? Alors, bonsoir à tous. Bienvenue au Calabre autour des arts. Aujourd'hui, le thème, c'est art et urbanité. Donc, nous allons parler des écrivains qui écrivent sur le thème que ces demoiselles ont chroniqué avec moi cette semaine. Alors, et ensuite, en deuxième partie, nous allons recevoir Rachid Santaki qui a écrit Les chiffres et les lettres et Les anges s'habillent en fer, que voici. Et en dernière partie, donc, nous allons discuter d'un thème ensemble qui va tourner autour des arts et de l'urbanité. Donc, bienvenue à Palabre pour tous les arts. Voilà. Merci. Merci. Alors, on va commencer avec Grace qui a lu Kif Kif Demain de Faïs Aghen, qui est une écrivaine. Kif Kif Demain de Faïs Aghen nous parle un peu de l'histoire d'une jeune fille de 15 ans qui retrace sa vie sur environ une année Ses petits problèmes, elle vit seule avec sa mère qui est mère célibataire parce que son père a quitté le foyer, il voulait avoir un garçon. Donc elle se retrouve seule avec sa mère chez elle. Et c'est là qu'elle va commencer à nous raconter sa vie. On commence dans son appartement où elle est avec une assistante sociale et tout démarre comme ça. Donc elle est avec l'assistante sociale et puis on a tous les pensées que peut avoir une fille comme ça. Et puis forcément, on commence par à quoi elle va servir, elle est comme si. Alors elle la décrit pas forcément gentiment au départ et puis elle se dit Bon, on a toutes les pensées qu'on peut retrouver chez n'importe quel enfant qui vient de vivre le départ de son père, qui finalement ne la considère pas plus comme son enfant vu qu'il est parti épouser une autre femme au Maroc et tout ça. Donc. Et elle nous retrace sa vie. Et au final, on entre... je ne sais pas si on peut dire qu'on est dans ses pensées, mais on est... Moi, j'ai pas vécu ça comme si on était dans ses pensées, j'ai plutôt vécu ça comme si elle nous parlait face à face, en fait. Qu'elle était en train de nous raconter ce qui se passait. Donc, elle va nous dire, ah ben là, je suis là, et puis on va parler de ça, et à l'école, je suis pas très aimée. Et plus dans le langage qu'elle utilise aussi, dans la manière dont elle utilise les mots, c'est vrai qu'elle elle écrit du français parlé, en fait. Oui, voilà. Elle n'écrit pas du français purement écrit. Voilà. Il y a une oralité, en fait, donc c'est pour ça. Exactement. Il y a une oralité dans... Dans l'écriture, qui fait que pour moi on n'est pas exactement dans ses pensées, mais c'est presque elle est là et puis elle raconte sa vie comme elle pourrait raconter. Comme elle parle, elle raconte sa vie. Comme elle parle. Sauf que comme elle n'a pas d'amis, elle ne parle qu'au lecteur. Et c'est assez drôle parce qu'il y a plein de petits pics quand elle décrit. Elle décrit tout le monde d'abord. Mais on rencontre en fait dans son année de vie, on sait tout. On sait qu'elle est amoureuse de son voisin, c'est ça, Hamza. Au début, elle n'est pas amoureuse. Au début, elle le prend vraiment pour le. Comme un commun de rôle. Ouais. Et bon, elle finit par. Avec le temps, elle finit par tomber amoureuse. Et puis, comme lui, il trouve une copine qui. D'ailleurs, il y a des petites coquilles dans le bouquin. Une copine qui s'appelle. J'ai bloqué beaucoup parce que c'était écrit Karim. Et en fait, c'est Karine, la copine, une blonde, plantureuse. Mais c'est pas une coquille. Ah, c'est pas une coquille. Donc, dans l'histoire, à un moment, elle parle de ce mec de quartier qui tient les murs de cité. Et donc, de temps en temps, elle va lui raconter sa vie. Lui, il lui dit que non, moi je fume et toi t'arrêtes de fumer, en gros. Donc, avec le temps, elle tombe amoureuse de lui. Et à un moment, il rencontre donc une fille. Donc blonde, grande, plantureuse, avec des longues jambes, sur ses talons aiguilles et tout. Et moi, je suis restée bloquée dessus parce que je me dis, mais mince, elle s'appelle donc Karim. Et donc, je me dis, bah mince, en fait, le type, il est homo. Et j'essaie de comprendre, en fait, j'ai essayé de comprendre le fil. Et un seul coup, mais c'est des tout petits, c'est pas vraiment des chapitres, mais chaque idée, en fait, dure 4-5 pages. Mmh. Et donc, une dizaine de pages après, je vois Karine. Et sincèrement, je reviens en arrière, j'ai mal lu. Je dis, mince, Karine est devenue Karine. Je dis, oh, c'est une coquille. Non, c'est pas une coquille, bah...
Faut te replonger dans l'esprit en fait d'une enfant de 15 ans. Elle l'appelle Karine parce qu'elle n'a pas envie de prêter attention à la Karine. C'est pas Marie, elle a Karine. Excusez-moi, non. C'est pour la désincarner. C'est, voilà, c'est ça, elle l'aime pas, donc elle l'appelle Karine. De toute façon, Karine, avec ses bonnes jambes, machin, Karine. Et puis à la fin, elle l'appelle Karine parce qu'elle commence à accepter. C'est d'autant plus drôle. Voilà. Bon, il faut aussi dire en fait que ce livre il parle beaucoup de galères, hein, même si on ne dit pas trop. C'est une jeune fille des cités qui vit seule avec sa mère. Sa mère, elle est femme de ménage dans un hôtel Formule 1. Elle sait parler français, mais elle est analphabète. Leurs fins de mois sont un peu difficiles, justement c'est pour ça qu'elles ont un balai d'assistante sociale à chaque fois. Et elle raconte un peu, tout en rigolant, c'est rigolo parce qu'en fait son écriture est assez rigolote, mais c'est en même temps très triste parce qu'elle raconte tout simplement la galère quoi, entre ceux qui tiennent les murs, entre sa mère qui fait les ménages, que son directeur déteste, qui s'appelle Monsieur Chiant, mais qu'elle, en fait, elle n'arrive pas à prononcer le nom de son directeur, et donc à chaque fois qu'elle lui parle, il a l'impression qu'elle l'insulte en disant qu'il est chiant, sauf que elle sait juste pas prononcer. Et tout au long du livre, en fait, bon, c'est une fille qui est assez dynamique. Moi, ce que j'ai bien aimé, je trouve ce livre super têchu. Et on arrive à se plonger dans la tête d'une jeune fille de 15 ans parce qu'en plus elle parle à la première personne. Donc c'est assez vivant. C'est assez vivant et. Il se lit super vite. Et moi j'ai compris son succès, même si. Mais c'est un message d'espoir aussi. Oui, moi j'ai pas un message d'espoir qui ressort de. Parce que justement, comme elle a raconté ça de manière rigolote. Exactement. Le personnage, cette jeune fille, elle est limite. Je dirais pas honnête, mais elle parle pas beaucoup à ses voisins, elle parle pas beaucoup à ses camarades de classe, elle parle pas beaucoup. C'est pas qu'elle parle pas beaucoup, c'est non, que mais personne ne lui parle en fait. Mais est-ce que c'est elle aussi qui a un peu une attitude pour moi? Elle a aussi un peu une attitude. Tout le monde va au mariage dans la cité, les seuls membres qui n'y vont pas, c'est elle et sa mère. Oui, après il y a aussi. À chaque mariage, il y a aussi le fait qu'elle dit non, mais je m'en fous, elle arrive dans son école de coiffure, elle dit de toute façon, elles sont tous blondasses, décolorées, permanentées, machin. Mais c'est la manière dont elle appréhende les gens qui pour moi fait qu'elle n'est pas. Elle n'est pas bien intégrée même dans son quartier. Et pourtant, la manière dont elle le raconte un peu de manière détachée. Parce qu'on voit bien que justement, je pense que c'est une sorte de déni de la réalité. Elle vit beaucoup dans sa tête, en fait. Elle vit beaucoup dans sa tête. Et finalement, la manière dont elle raconte les choses, t'as l'impression qu'elle regarde, c'est comme si c'était une personne qui observait tout ce qui se passe en dessous et qui le raconte à d'autres personnes. Oui, c'est comme si elle vivait pas ce qui se passe. Mais je pense que c'est une sorte de déni de la réalité, parce que quand on essaye de voir, elles ont une espèce de voisine là qui est un peu sympa, celle qui fait tout le temps du mafé, qui a ses filles qui sont marrantes, avec qui elle a quand même une assez bonne relation. Donc on voit bien que c'est quelqu'un qui est quand même assez aimant, mais je pense... la vie leur a pas donné beaucoup de chance non plus. Moi, elle m'a touchée, elle m'a plutôt touchée justement dans sa manière d'appréhender la vie qu'elle vit. Donc de ce côté-là, je me suis pas dit son père l'a quittée, machin. Oui, en fait, elle voit ses galères comme n'importe. Voilà. Ça aurait pu être n'importe quelle adolescente, même une adolescente du 16e arrondissement. La manière dont elle le raconte. Après, ça peut être du déni de la réalité. C'est un gros déni quand même. C'est un mal-être, mais comme elle dit ça en rigolant. Donc ça fait passer la pile. Pour moi, c'est un vrai mal-être, parce qu'elle le répète tout au long du bouquin. Mon père qui nous a abandonnés parce que je suis une fille, mais tu vois, c'est redondant ce genre de choses. Et je pense que c'est un vrai mal-être, mais comme elle dit ça avec des phases de quartier, Moi, je la sens pas mal dans sa peau. Moi, ce que je comprends, c'est que c'est un monde, en fait, dans lequel elle s'est limite un peu retrouvée par hasard parce qu'elle est vachement vive d'esprit et elle ne s'identifie pas à toutes ces personnes qui l'entourent. Entre celui qui tient les murs, elle est amoureuse de lui juste parce que c'est un peu le caïd du coin, donc elle le trouve comme une adolescente. Hein. Elle n'est pas mal faite de sa personne, c'est un peu le caïd du coin. Et comme elle est un peu rêveuse, elle est amoureuse de lui. Mais en vérité, quand on essaye de regarder tout son environnement, les gens à qui elle parle, les choses qu'elle fait, même les rêves qu'elle a pour sa mère, on sent bien que c'est quelqu'un qui est vachement vif d'esprit, mais qui trouve que de toute façon
c'est pas la cité, voilà. Quoi. Elle a une idée très ferme sur la cité. De toute façon, c'est un endroit de non-devenir où les gens zonent. Et elle veut pas zoner. Puis elle est un peu contre le système. Elle parle aussi beaucoup du système et elle est un peu contre ça. Donc bref, Faïza Guen, kiff demain. À lire, ne fût-ce que pour pouvoir dire qu'on l'a lu déjà. Un dernier petit truc, c'est que moi, le seul problème que m'a posé ce livre, en fait, c'est qu'il me rappelait beaucoup trop. J'ai eu le malheur, en fait, de lire d'abord Le Petit Malik. Oui. Donc, ça me rappelait énormément. Moi aussi. Vraiment un peu trop Le Petit Malik. Donc, j'avais l'impression de revoir les mêmes choses. Et c'est le même genre d'écriture. Donc, sauf que Le Petit Malik, c'est sur toute sa vie. Mais c'est le même, pour moi, c'est le même genre d'écriture, le même genre de personnages qu'on retrouve nécessairement. Et du coup, on a un peu une impression de redondance dans la manière dont... Est-ce que c'est pas tout simplement une réalité? C'est pas dans ce qu'ils vivent, mais c'est dans la manière dont c'est écrit. Moi, à la limite, je trouve ça, à la limite, on pourrait confronter les deux livres. Mabrouk Rachedi était notre invité au mois de juillet. Il a notamment écrit donc Le Petit Malik, qui raconte l'histoire d'un petit garçon qui, pareil, habite dans une cité. Non, la petite Malik, la petite fille, petit Malik, petit garçon. qui raconte l'histoire d'un petit garçon qui vit dans une cité et qui, pareil, à un moment donné, zone un peu avec ses copains, etc. Donc, c'est vrai que c'est intéressant de confronter les deux livres sans pour autant en faire une comparaison et de dire, là, c'est le regard d'une petite fille, là, c'est le regard d'un petit garçon, qui ont sensiblement le même vécu, ils sont dans le même environnement urbain, dans une cité, donc oui, on pourrait les comparer pour ça. Après, c'est réaliste, quoi. Chacun un peu son histoire, mais je pense que si tu vas dans une classe, les enfants, ils habitent dans le même quartier, ils vont te raconter la même histoire avec des couleurs différentes. Quoi. Oui, c'est sûr. C'est pour ça que je dis que j'avais l'impression de... C'est forcément le raisonnement que je me suis tenue, mais du coup, moi, ça m'a un peu... C'est l'impression déjà oui, ça en fait. T'as pas eu d'effet de surprise. Voilà, pas trop d'effet de surprise parce que c'est vraiment la vie au quotidien de ces personnes-là. Enfin, la vie au quotidien, leur regard au quotidien. Donc, du coup, c'est pas une histoire, une grosse histoire avec un fil conducteur. C'est juste leur vie. C'est fait que pour moi, il y a une redondance. Après, comme Didja se demande toujours si on devrait conseiller, moi aussi, je recommanderais vivement de le lire parce que cette jeune fille de 15 ans, mine de rien, pour ses 15 ans, elle a un regard très perspicace sur ce qui l'entoure et sur la vie. Donc, et avec toujours un peu d'humour, etc. Donc, livre très rapide à lire, très intéressant. Et puis, elle nous apprend que tout est relatif, surtout. Moi, c'est ça que j'ai retenu de ce livre-là, c'est qu'il y a une morale et que la morale, c'est que quoi qu'il en soit, il faut toujours y croire. Et c'est d'ailleurs un jeu de mots qu'elle utilise. Ce sera mon dernier mot sur ça. Mais c'est le dernier mot qu'elle utilise. Kiff demain. Enfin, c'est un jeu de mots. C'est un jeu de mots puisque kiff dans le langage approprié, ça veut dire c'est pareil demain. De toute façon, le destin, quoi qu'on fasse, c'est le destin. Ça sera toujours pareil. Mais là, en disant kiff comme je kiffe, enfin, voilà, c'est un beau jeu de mots, je trouve. Donc voilà, rien que pour ça, pour le fait que ça redonne de l'espoir, je pense que... À recommander. Allez, voilà.